pars dans un mois. Mais vous inquiétez pas, ce sera pas long. Mina, à table. J'arrive, mamie. Ah, d'ailleurs, c'est mamie qui va s'occuper de vous pendant que je serai pas là. S'occupe bien de vous, mamie. Bonjour, Jeanne. Ça fait longtemps. Tu sais ce que je suis venu chercher? Tu vas me rendre ce que tu m'as volé. Il est où, Jeanne? Il est où? Regardez, c'est ici que je vais. Je vais vous chercher une nouvelle copine. Il est où, bordel? Jeanne! Jeanne! Mamie? Mamie? Ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Bon, Axel, arrête avec ton nouveau joujou, là. Alors, ce joujou, comme tu l'appelles, merci mamie d'ailleurs pour l'argent de l'héritage, c'est un microscope à fluorescence par réflexion totale interne. De poche. Ou microscope à onde évanescente, si tu préfères. Génial. Bon, Louise, tu dors? Non, absolument pas. Je prie grand-mère, qui est aux cieux. Sérieux, vous êtes relou, là. Vous êtes censé m'aider à trier les affaires de mamie. Mina, ta réaction est tout à fait normale. C'est la mort de mamie qui te rappelle le suicide de papa. Du coup, tes glandes surrénales sécrètent plus de cortisol. Axel, soit tu m'aides, soit tu la boucles. Cortisol. Louise, tu voulais pas récupérer des trucs pour tes pauvres? Bah, je suis pas Emmaüs non plus, hein. Ah bah ouais, c'est bien ça, c'était une crotte. Oh! C'est pour mes pauvres. D'accord, donc en fait, tu changeras jamais. Non mais ça va, t'as hérité de la maison, nous, quasiment rien. Mais sérieux, tu vas me lâcher avec ça? Premièrement, t'as fait vœu de pauvreté, donc qu'est-ce que ça peut te faire? Deuxièmement, j'en savais rien à l'avance. Bon, t'en savais rien à l'avance. Tu vis ici 24 heures sur 24, nourri, logé et blanchi. Tu t'en doutais pas un petit peu? Attends, rappelle-moi qui paye ton loyer, toi. Attends, rappelle-moi ce que tu fais de tes journées. Poursuivre le rêve de papa. Il y a une boule là-dedans. C'est ça ton activité? Ben, c'est bien. Attends, tu vas me donner des leçons alors que toi, il y a 2 ans, tu dealais du shit? J'ai reçu un appel de Dieu. Non, Louise, t'as reçu un appel du juge. Oh, j'ai toujours été croyante. Ah ouais? Ben vas-y, cite-moi les 12 apôtres. Eh ben, vas-y, cite-moi les 7 nains. Mais rien à voir. Bah, essayez, moi, je trouve. Mais c'est un bonbon, ce truc, en fait. Ah, bah tiens, Mina, ton dîner est prêt. Je vais faire un prélèvement. C'est pas ça ton nouveau régime depuis que mamie est morte? Oui, bah c'est toujours mieux que tes hosties. Oui, t'as raison, prends-le sur ce ton-là. Mais je le prends sur le ton que je veux, Louise, là, je sais pas pourquoi t'es venue. Mais parce que je suis soucieuse de toi et de ta santé. Mais n'importe quoi, t'es venue pour récupérer des bijoux de mamie, voilà pourquoi t'es venue. Oui, mais bah évidemment, parce que ça m'appartient aussi. Mais non, pas du tout. Ça suffit, je prends ce que je veux, et puis toi tu prends ta petite bouffe, et puis on en parle. Mais qu'est-ce que tu viens me faire chier avec ma bouffe, là? Qu'est-ce que ça peut te foutre de toute façon? Mais parce que je suis inquiète pour toi. Mais t'as vu le... Oh, mais fous-moi la paix. Ça va très bien, mais continue comme ça. Bon, c'est quoi? T'as raison. Tiens, hop, faut pas gâcher. Non, crash. Axel, ça va, c'est qu'un bonbon, on va t'en racheter un, hein. Enfin, dites-moi qu'elle va pas mourir, dites-moi qu'elle va pas mourir. Quoi? Mais pourquoi elle nous regarde comme ça? Oh, elle est aphasique. Elle va dégueuler. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mina, c'est scientifiquement impossible. Je te dis que j'entends vos pensées. Il y en a une qui croit qu'elle est télépathe, l'autre qui pense qu'un type marchait sur l'eau. Oui, attends, est-ce qu'on peut se concentrer sur Mina, s'il te plaît? Ok, pensez à un truc. Attends, je sais. Qu'est-ce que c'est? Une super tomate? Tu dors bien en ce moment? Tu manges bien? Tu vas bien à la selle? Arrête de crâner, Axel, c'est à cause de ton bonbon, là. Pour l'instant, on peut rien affirmer, mais c'était peut-être pas un bonbon. Ah bah bravo, très perspicace. En plus, tu réagis pas comme une gerbille. Quoi? Si ça se trouve, c'est elle, l'élu. Oh, je serais deg. T'es jalouse? Merde, c'est vrai qu'elle entend tout. Faut pas que je pense à des trucs horribles. Faut pas que je pense que j'ai couché avec son ex. Quoi? T'as couché avec mon ex, lequel? Non, aucun! Arthur, Rémi, Victor, Jean-Jacques. Axel, empêche-moi de l'entendre. Alors c'est marrant parce que Josephson a une théorie sur les télépathes. Écoute, il est bientôt minuit, je suis crevée, je pars dans 1 semaine en voyage, s'il te plaît, trouve-moi une solution. Ah d'ailleurs, faut vous occuper de mes plantes. Alors, je vous ai tout noté là-dedans. Et voilà, comme tous les ans, elle nous refait le coup du voyage.
C'est pas une bonne idée de voyager dans cet état, Mina. Axel, non. Enfin, tu sais comme c'est important pour moi. Bon, Mina, j'ai jamais osé te le dire. C'est pas un voyage, c'est une fuite. Aller chercher des fleurs du monde entier, c'était le rêve de papa. Il était fleuriste. T'es pas fleuriste, Mina. T'essayes juste de le maintenir en vie. Mais c'est pas ça qui va le ramener. Ce sera peut-être temps qu'elle sorte de sa bulle. Attendez, c'est vraiment ce que vous pensez de moi, là? Mais non, évidemment. Mais pas du tout. Tout le monde le pense. Oh, ça va, vous, là? Mina, ta réaction est normale. C'est ton cortex frontal qui est en train ta de... Ta gueule. D'accord. Bon, moi j'y vais, hein. J'ai des plantes à arroser. Enfin, je retourne dans ma bulle. Bon, franchement, ça fait des années qu'il s'est suicidé, hein. À un moment donné, faut s'en remettre. T'as conscience qu'elle lit dans les pensées, maintenant. Au moins, ici, y a personne qui pense. Merci, Mina, de prendre soin de nous. Oui, bah, Jésus aussi a accompli des miracles, on en a pas fait un pataquès, hein. Mais si. On est désolé pour mamie. Et pour ton père. Sainte Mère de Dieu, il est minuit, il faut que tu m'amènes, j'ai pris hier à 4 heures. Tu viens? Allez, zou! Non mais c'est vrai qu'on a tous avancé, moi avec Dieu, toi avec tes petites souris. Donc en fait, t'as toujours pas compris ce que je fais dans les... Pierre. Mina, t'as rien? T'approches pas, je détruis tout ce que je touche. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je détruis tout ce que je touche. Pourquoi t'es pas en cendres, toi? Bah, elle détruit pas tout ce que je touche. Tu détruis tout ce que tu touches, mais tu pourrais redonner la vie? Oh putain, c'est l'élu! Oh putain, elle peut ressusciter Jésus! Oh putain! Je peux ressusciter papa! Non. Tu vas où? Je vais au cimetière! Non, attends! Tes facultés sont trop instables, faut que je t'amène au labo! À moins que ces pouvoirs, ce soit comme une gastro et dans 3 jours, on n'en parle plus!